L'équipement, les différentes équipes, les différents éléments qui composent l'équipement permettent d'améliorer les compétences. Caractéristiques et aptitudes de Frey une fois équipé. Pour en changer, rendez-vous dans la section équipement du menu principal. Et c'est tab. Comme d'habitude. Cape à capuche. C'est marrant à dire ça, cape à capuche. Cette cape est portée par les citoyens de Sipal au quotidien. Elle n'apporte aucun bénéfice particulier, mais elle est épaisse et résistante. Nice. Te voilà tout comme nous. Mis à part tes chaussures. Elles m'ont tiré de pas mal d'emmerdes. C'est spécial comme, comme style. Si tu le dis, tu auras aussi besoin de ça. C'est une carte d'Atia, cela t'aidera pour ton voyage. Ici, j'ai indiqué la guilde des connaissants. Parfait. Est-ce qu'il y a un point? Vous êtes ici. C'est chiant que ça ouvre l'archive à chaque fois. Les recherches de son pays. Ah, let's go. Pas bouger. Allez, un plus dans le bus. Bon, je suppose que tous les points d'interrogation, c'est des quêtes secondaires. Donc, autrement dit, la flemme. Par contre, si on est obligé de faire les quêtes secondaires pour avancer dans la quête principale, ça va être chiant. Sipal. J'ai un style, laisse tomber quoi. Tu n'emportes pas une pomme? Une pomme par jour? Et Frey n'aura plus faim en retour. Quel poète. C'est des sacrées pommes hein, quand même. C'est pas les pommes Carrefour Market hein. Sipal, lorsque vous serez à Sipal, vous pouvez démêler différentes intrigues secondaires. Ouais, voilà. Autrement dit, des quêtes secondaires. Comment on fait pour aller à cette guilde des connaissants? Si la carte de la fille du peuple est correcte, il nous faut quitter la ville par la porte sud. Ok, alors c'est parti. Ça me fait plaisir de retrouver des chats. Pour quelle raison? Tu nourris un lien particulier avec ces petites bêtes ridicules? Oula! Non! C'est bien les chats. Pas assez de force. Merde. Ça s'ouvre de l'autre sens, faut tirer, pas pousser, madame. Oh, bah, on n'est pas allé loin. Et comment je fais, moi, pour sortir de ce trou à rats? Moi, je sais. T'en voilà, toi. C'est toi. Tu m'as suivi, gamine? Non, mais je sais comment t'aider. Ah oui. Je connais tout dans le coin. Elle veut chourer encore mon téléphone. Cette chose que j'ai voulu voler hier. Pomme, peut-être. Bah ouais, mais non, donc, mais. Tu me suivais. C'est la seule pomme que j'ai, putain. T'as l'air affamé. Oh les vialiettes. Viens avec moi. T'as la pomme elle est plus grosse que sa tête, gros. Tu veux que je te dise mon nom? Pas vraiment. Olivia. Olivia. Et ah, je le savais. Tout le monde parle que de toi. Apparemment, je suis célèbre dans le coin. Célèbre? Mais je cours plus vite que. Ça veut dire recherché par les gardes? Allez, cours. Là, c'est ma caverne au trésor. Dis donc, c'est toi qui as volé tout ça? Non, pas tout. 99%. Souvent, les gens jettent des choses qui peuvent encore servir. Alors je fabrique d'autres trucs avec ce bazar. Tiens, si tu te blesses, ça te soignera. C'est quoi, c'est un bandage? Génial, bien vu. Faudrait que tu me donnes ta recette. Bien sûr, je te montre comment faire. Essaye. Me dis pas qu'il y a du craft.
Me dis pas qu'il y a du craft. C'est peut-être pour ça que tu ramasses des plantes, des trucs et tout. Oh putain. Olivia vous a remis de la rosidée officinale. Wesh, les noms. Utilise là pour préparer une décoction de. Alors, fais voir. Peut désormais être fabriqué, amélioré. Décoction de swing. Peut désormais être fabriqué, mais de blablabla. Fabrication. Donc là, il faut des rosidées. Ouais, donc voilà, c'est tout ce que tu drops en fait là. Oh là là, va falloir récupérer tout ce qui traîne à terre. Les gens jettent vraiment. C'est ça en fait, c'est mon inventaire, ça, les 100. Oui. C'est pas une quête, c'est le nombre de maximum que je peux porter sur moi. Merde, fallait le voir. Attends, ça pourrait me servir. Vous avez trouvé des matériaux de fabrication, servez-vous-en à l'établi. Wesh. En plus. Des effets peuvent être ajoutés à l'équipement. On ajoute tout, hein. Je peux avoir un collier, une cape. Il me semble que notre vernis à ongles, on peut changer aussi. Il me semble qu'il y avait un DLC ou un truc dans le genre, ou un truc de précommande avec des vernis à ongles. J'ai quelque chose pour toi. C'est ce truc qui te sert à que dalle ? Non, pas mon téléphone. Et merci de pas me l'avoir tiré à nouveau. Je vole pas, mes amis. Tes amis. Cool. Alors en tant qu'ami, j'ai ça pour toi. Waouh. C'est quoi? T'es une tanta? C'est une lampe stylo. Et non, je ne suis pas une tanta, pas du tout. Pour voir le noir. C'est qui celle-là d'ailleurs? C'était les femmes les plus fortes et les plus puissantes, Tatia. Toutes avaient des dons. Et avant, elles s'en servaient pour protéger les terres. Un jour, elles recommenceront. Elles viendront nous sauver. Ah, ils pensent que c'est... Écoute, c'est moi. Petite. Ah, que j'ai les mêmes pouvoirs qu'eux. Il vaut mieux se débrouiller toute seule. Il n'y a que dans les contes qu'on sauve les gens, tu vois. Tu as tort. Tu verras. Ok, bon, je dois y aller. Tu m'as dit que tu savais comment sortir d'ici. Je suis sûr que la porte fallait juste tirer un peu. En escaladant ce mur, là, tu devrais pouvoir aller où tu veux. Cool. Merci. Je te dis à la prochaine. Donc tu vas me dire que pour sortir, faut escalader le mur, et du coup, on a perdu une pomme et notre lampe stylo. Je compte sur toi. Oh, un câlin. Ça lui va bien la coupe comme ça. Allez, let's go. Ah ouais, vraiment péter son escalade. J'ai connu mieux quoi. Allez, on va à la guerre. Les liens indiqués sur la carte d'Oden ont été ajoutés à la carte du monde. Kill Xenos. C'est même pas où je dois aller, moi. Bah écoute, on va aller là. Hein. La méfiance naturelle ne s'applique pas à cette petite bombe où je me trompe. Parce que j'étais comme elle, ok? Putain, c'est quoi ces trucs? C'est des personnes?
Je pense que c'est ce qui arrive quand la brume affecte les humains. Alors je peux pas les tuer ? Tu as vraiment le choix. C'est soit eux, soit nous. Bah on peut passer à côté, non ? Wesh, le monde ! Ok, c'est pour ça qu'Oden disait que les gens qui quittent la ville ne vont jamais très loin. Cela explique pourquoi les habitants de Cipal restent à l'intérieur des remparts. Ouais, ça attaque en fait ça. Ouais, ça va, ça sera un peu pété quoi. Classement en combat. Durant les combats, vos actions sont évaluées et une place de classement s'est attribuée à l'issue du combat. Super. Ça me fait une belle jambe. Ne panique pas. C'est toi qui me fais paniquer. Danger. Ah merde. C'était caché les deux là. C'est quoi ça? C'est quoi? Ouais! Avance un peu plus vite. Ça, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé. Wesh, en plus, il me donne des ordres. Ah, c'est l'arbre éclair! Les sources bienfaisantes. Oula, je sais plus lire. Les sources bienfaisantes. On raconte que ce lieu sacré serait capable d'éveiller les aptitudes magiques en sommeil. Kesako. Wow. Tu sens ça? Ce sont vraiment de. Ah, on se met en PLS, genre on vient de naître quoi. Ok, nouveau sort appris. Kesako, c'est respirer sous l'eau? Ah non, c'est peut-être jump plus haut. Je sais pas, on le saura pas. Ah, ça doit être sauté plus haut, à mon avis, vu le mur qu'il y a derrière. Il s'est passé quoi là? Tu notes un changement? Je sais pas. Je me sens plus puissante, peut-être. Mmh. D'accord. Tout gain de puissance est bon à prendre. Tiens, tiens, c'est bizarre, cette petite église paumée là. Les haltes de pèlerins. Disséminées. Dans tout Hatcha, les halles de pèlerins sont des sanctuaires où vous pouvez vous reposer afin de restaurer votre santé et fabriquer des objets. Est-ce qu'ils respawnent les mobs si je vais dedans? Toc toc toc. Ah, ça active des déplacements rapides, ça c'est bien ça. Oui, voilà qui arrive. Enfin, un petit lit. Ramasse tout. Moi, je ramasse tout, quoi. Je pourrais y prendre goût à ce truc. Il y a pire comme habitude. Se reposer. Voir ce que ça fait. Bah, c'est un petit sommeil. C'est une petite sieste. C'est parti? Allons-y. Allons-y, let's go. C'est adieu, parti les amis. Tu pourrais emporter la couverture en souvenir. Une cape couverture? Ça me plaît bien ça. Ha oh, comme toi, comme toi, comme toi. C'est encore loin. On se rapproche. C'est intéressant et récompense. Il y a quelque chose. Je le sens. Ouais, je ressens la même chose.
Un peu de changement. Génial. Mitra est à gauche. Magie plus 1, les pouvoirs magiques de frais ont augmenté, let's go! Oui, il y avait quoi ici? Il n'y a pas de monstre ici, hein? Tu avais envie d'un peu d'exercice? C'est très mal me connaître. Des consommables. Merci, Captain Obvious, hein, j'avais remarqué. En fait, faut les ramasser, hein. On va en avoir besoin hein, s'il faut crafter des trucs. Quoi ça ? Les bassins de mana. Il existe dans ce monde des lieux particuliers appelés bassins de mana où le pouvoir nécessaire à la maîtrise de la magie sort des profondeurs du sol. J'ai pas compris, mais vas-y, je ramasse. Tu ne peux pas attendre. Non, je peux pas, bordel. Ces zombies de brume, ils sont partout. Je suis sûr qu'avant c'était des gens bien, mais tant pis. Hop. Oh la merde, pour sortir d'ici. Let's go. Oh, ce que j'ai mis. Oh, les chutes d'FPS des fois. Oh, aberrant. C'est aberrant. Je sais pas si j'arrive à les ramasser au passage. Oh, c'est quoi ça? Les monuments. Les monuments sont des pierres sacrées dans lesquelles les Tantas ont emmagasiné certains de leurs pouvoirs. Les débarrasser de leur corruption les affecte permettra... Qui les affecte, pardon, permettra à Frey de devenir plus forte. Ah, ça se présente mal. Oui, la brume me semble avoir été attirée ici. Cassé. Il suffit de tout casser. Oh. Capacité des soins plus 15. Oh. Oh. C'est pas n'importe quoi.
Bon, je suis peut-être en mode scénario, mais ça me semble un peu facile comme combat. Après, je suis en mode scénario, quoi. Ramasses-tu? Mais c'est vachement différent de ce qu'on voit maintenant. Elle doit dater d'il y a quelques années. En d'autres termes, elle ne nous est aucune aide. Merveilleux. C'est quoi ça? Une note laissée par quelqu'un. Pourquoi un gosse si jeune a dû subir ça? C'est la guilde? D'après la carte, on dirait, oui. Vraiment, j'ai été YOLO, hein. Je pensais même pas être arrivé déjà. On est encore assez loin, non? Pas tant que ça. Quand on va rentrer, on verra. Hein. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut accueillie par une vision extraordinaire. Enfin, putain d'endroit où s'allonger. Bah, écoute, vas-y. Hein. On se repose. Ça permet de récupérer de la vie, au moins. Hein. Au cas où. De toute façon, y a pas... le temps, il change pas, donc tranquille. T'aurais pu me laisser dormir un peu plus. C'est toi qui m'as dit de te réveiller. On dirait que la voie est libre. Restons prudents. Ouais, ça me paraît un peu trop simple en plus depuis le début. Prépare-toi. On dirait que les Athiens aiment bien les bâtiments hauts, non? Apparemment, plus un endroit compte de tout, plus il est prospère. Et plus c'est haut, plus le c'est. C'est au moins un truc qu'ont en commun ce monde et le mien. Même si dans ce cas, il serait sûrement plus exact de dire plus il était prospère. Avant la folie des Tanta. Oh, il y avait des bruits chelous là. Je vais aller en haut avant, parce que si c'est la merde pour remonter après, flemme. Toc toc toc. Je crois que c'est là. Elle a sûrement connu des jours meilleurs. Ce n'est pas en restant ici que tu vas trouver ce que tu cherches. Je sais, je sais. Je sais pas s'il faut frapper, s'il y a quelqu'un. Nice. Génial. Il y a quelqu'un dedans, il dit bah t'aurais pu frapper quoi, je t'aurais ouvert. Non. J'ai pas. J'ouvre le coffre, mais je ramasse pas le butin, tu sais. Full. Génial, on cherche une aiguille dans une botte de foin. Comment je vais trouver ces foutus carnets? Il a dû les mettre bien à l'abri. Il contenait cette dernière. Nous devrions monter voir, non? Me demande combien d'étages. La brume n'a pas l'air d'être arrivée jusqu'ici. Tu crois que ces carnets sont ici? Nous devrions jeter un coup d'œil. Au pif, hein. Hey, Krav, tu peux me lire ce qui est écrit là? Tu ne sais pas lire leur langue alors que tu les comprends quand ils parlent. Eh hey, non. Il y a peut-être un traducteur dans mon oreille. Il y a une similitude entre les langues de différentes dimensions. J'imagine qu'il va falloir que je t'apprenne. Enfin. On trouve souvent ces mystérieux cristaux dans la zone des fortes concentrations.
Ah, la vache, ce que j'ai ramassé. Ce livre contient des passages intéressants sur de mystérieux éclats trouvés après la brume. Alors, des éclats de brume ? Oui, si tu veux. Vernis, voilà, c'est ça le vernis. Il y a une histoire de pouvoir en plus avec les vernis ou je sais pas quoi. Voilà qui est curieux. C'est quoi ? Les Tanta dessinaient des motifs sur leurs ongles, avec leur sang, pour accéder à certains pouvoirs spéciaux. Et en fonction du motif qu'elles peignaient, ces pouvoirs pouvaient être différents. Ah, ok. Je suppose que ça peut être utile. Ça, c'est utile, ça. Je ne m'y attendais pas vraiment, mais il y a un lien surprenant entre ces deux livres, tu sais. Qui est ? Des éclats de brume seraient imprégnés du sang des Tanta. Tu pourrais essayer de les utiliser pour avoir les mêmes pouvoirs. T'es sérieux ? Je suis sûr que lui est au courant de quelque chose et il fait genre, mais les Tanta là, ils avaient exactement les mêmes pouvoirs que moi j'ai actuellement avec le bracelet. Merde, j'ai enlevé ma cape. Chier. Pourquoi des éclats de brume? Il va y avoir 50 000, tu vas voir. Accéder au menu vernis. Main gauche. Ah, en plus, je peux avoir des vernis différents sur chaque main. Alors, la magie de soutien inflige des dégâts supplémentaires lorsque la magie d'afflux est complètement chargée. Dégâts des sorts de frais plus 5%. Là, je peux mettre deux fois le même. Ah, c'est pété du coup. Là, d'accord, ça se recharge plus vite, mais j'ai un dégât moins 5%, donc au final, ça, je retombe à 0. Et ça, pareil, les frappes létales qu'on fait occasionnellement des bonus d'attaque. Donc en vrai, autant mettre deux fois le même. Hein. Moi, j'ai un plus 10%, c'est beaucoup. Ok, et les ongles, c'est pas mon truc. Mais dans ce cas précis, je dois pouvoir faire une exception. On dirait que les carnets que tu cherches ne sont finalement pas là. J'ai tenté ma chance. On va faire un tour au-dessus. Il fait plus clair. C'est pas ça qu'on cherche vraiment non plus. C'est quoi ce truc-là ? On dirait qu'il y a quelqu'un sous cette tenue. Non, sans déconner ! Il faut découvrir qui c'est. Ouais, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ok, monsieur la hache. Je vais m'approcher de vous et enlever votre masque. Vous allez être cool ou pas cool? Je suis sûr que ça, c'est un mec qui vient de la Terre aussi. Il a l'air de pencher pour le pas cool. Alors, vous allez vous calmer dans ma prison végétale pendant que je cherche les carnets. Oden n'avait pas dit qu'il y en aurait autant. Ou peut-être c'est son père, Oden. Oden. Mon Oden. Quoi? C'est son père. Je suis sûr. Robian ? Je suis en train de parler à un putain de fantôme. Vous êtes vivant, mais tout le monde vous croit mort. C'est la couleur bleue. Et puis, les boutons. Je comprends rien. Je croyais que vous aviez tout noté dans des carnets rouges. Il rentre et... Parfois, je ne peux pas. J'essaie. Il le faut.
Vous perdez la bataille contre la brume, mon vieux. Oui, mais toi... Tu as l'air de l'emporter. Comment ? Aucune idée. Je suis très loin de chez moi, j'essaie de rentrer, je suis passée par un... Ouf. Oui. Oui, un whoosh. Ah. Ouais, je dois retourner de là d'où je viens par un whoosh. Whoosh. Ah, tu retourneras à l'endroit où tu dois être. Whoosh. Oui, whoosh. Ah. De la compagnie. Restez ici. De la je vais m'en occuper, je reviens. Comme c'est gentil. Je me demande qui c'était. Peu importe, soyons très prudents. Bah, il dit mon Oden. Faut pas faire mal dessus pour comprendre ça. J'arrive pas à croire que Robian est encore en vie. C'est dingue. La fille du peuple va avoir un sacré choc. Nous sommes les soldats de Tanta Silla. Vous êtes dans notre royaume. Vous allez nous accompagner. Non. Ça, c'est pas prévu au programme. Vise la tête. Alors, les sauteurs de Krav, si vous n'arrivez pas à infliger des dégâts à un ennemi, faites l'appel au savoir de Krav pour qu'il vous prodigue des conseils. Appuyez simplement sur X lorsque vous visez un ennemi. Attends, c'est qui ceux-là ? Des automates sans âme, entièrement. Voué à Silla. Je jette. Ça marche. Bah, c'est pas des zombies ? Ils font grave. Résiste à la magie. Merci Captain Obvious encore une fois. La machine ne ressent rien. Pas même la douleur. Ça doit calmer. Ça savait pas. On bouge plus. Ok. Ok, on embarque ce qu'on peut. Mais il meurt jamais ou... Merde, les carnets. Ok, Bob. Bob, on y va, on se bouge. Bob. On le respecte, quoi. Le pauvre, il est aveugle, je crois, il voit rien. Ça va ? Ça doit vouloir dire oui. Je crois qu'on les a semés. Attends, c'est ça, il est aveugle. Il est complètement fou. Oui, trop atteint pour être utile à quiconque, rongé par la brume. Ouais, mais Bobby l'embrumé est ma seule chance de partir d'ici. Ce qui est un peu inquiétant. Franchement, je m'en contrefous de ce que tu penses. J'ai tout de même mon mot à dire. Où que tu ailles, j'irai forcément aussi. Et
Donc, avec un peu de chance, la magie qui nous lie ici disparaîtra quand je rentrerai. Dommage, je commence à aimer notre collaboration. J'aimerais tellement dire autant. Tu as dit quelque chose ? Oh, non, je pensais simplement à haute voix. Excellent. Ça m'arrive souvent. Enfin, je crois. Peut-être que non. Difficile de distinguer la voix dans ma tête de toutes les autres. Vous savez quoi ? Je vous comprends complètement. Dis-moi en plus sur l'endroit d'où tu viens. C'est une cité plus grande que Sipal. Ça s'appelle New York. Oh. Ah oui, je la connais. Ah bon ? Ou bien non. Ce nom se tient juste à la lisière de ma mémoire, épiant à travers le brouillard. Mais j'ai peut-être rêvé. J'ai l'impression que je devrais le connaître. Peut-être en ai-je entendu parler. Ou toi, tu m'en as parlé. Mais oui, peut-être que tu l'as évoqué. Oui. Bah, j'ai de le dire, il est con. Oh, il nous sera très utile. Ferme ta bouche. Ah, il n'y a plus d'insultes, ça y est. Non loin de Sipal. Merde, ça brûle à Sipal. Oui, un incendie s'est déclaré quelque part. Venez. Vous allez entamer la prochaine phase de l'aventure de Frey. Assurez-vous de vous préparer avant de poursuivre. Genre, on dirait que c'est un point de non-retour, quoi, le truc. Qu'est-ce qui se passe ici ? Elle est là, parmi nous. Tanta Sila ! Elle cherche une certaine Frey. Moi ? Ton arrivée doit avoir secoué tout Atia. Ta présence ici effraie la Tanta. Frey ! Te voilà ! Olivia, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis trompée. Elle est pas venue nous sauver. Mais toi, oui. Non, c'est pas vrai. Tanta Sila, retiens Oden. Oden. Mon Oden. Merde, Bob, Bobby. Il est fort louable Bob. De t'inquiéter pour ce moment, mais nous devons d'abord arrêter Sila. Ok, c'est bon, je vais m'en charger. Je peux venir. Non, c'est hors de question, tu restes ici. Trouve un endroit où te cacher. Bah, je vais peut-être regretter... Pour les 4 secondaires, bah les couilles, hein. Oui, c'est elle qui a libéré le démon. Je vous en prie, votre éminence. En ce moment, votre colère nous dessert. Dis à Tanta Sila où elle est, mon enfant. Où est l'étrangère, petite ? L'intruse qui ose pénétrer mon royaume. Tanta Sila. Je suis Robian Keane. Père. Ah, Oden. J'ai servi fidèlement Tanta Sinta. Ma femme, Kalista, était générale dans votre armée. Ayez pitié de ma fille. Robian Keane. Je n'avais pas entendu ce nom depuis longtemps. Ça va partir en couille. Tu dois sauver la fille du peuple. Elle ferait la même chose pour toi. Putain, ouais, je sais. Rien à faire, un verre. On doit faire quelque chose. Essaie de te glisser discrètement derrière elle. Fonds-toi dans la foule. Je me fondrais bien mieux si tu pouvais la boucler. Tes prières sont inutiles. Ta fille est l'intruse. Et même pire, elle refuse de révéler le lieu où elle se cache. Quelqu'un doit payer pour cette trahison. Tanta Sila. Écarte-toi. Écoutez-moi. Peut-être se dépêcher, non ? Je t'expliquerai après.
étranger. Stop! Arrêtez! Elle peut nous sauver! Elle peut arrêter cette folie! Pourquoi? Oh, il s'est fait couper de... Putain, c'est quoi ce truc de dingue? Tantasila a le pouvoir de transformer la matière et le vivant. Elle utilisait un serviteur comme enveloppe. Oh, bordel! Mais qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez! Super. C'est la merde. Puisque Scylla n'est pas réellement là, elle est où? Elle doit te surveiller de ce château, bien à l'abri. Ça va faire mal. Je fais deux dégâts, wesh. Hein? Ma magie n'a aucun effet. Certainement à cause d'une protection. Rends-toi. Je suis décapé. Certainement pas. Pas très efficace. Oh putain. Putain. Allez, on s'arrête. Ça fait rien du tout. Zéro effet. Prépare-toi. Volant. J'arrive pas à balancer les compétences, c'est un truc de ouf. Regarde, là, ça marche pas. C'est mieux comme ça. Ça devrait le faire. Bien. Donnons tout ce qu'on a. Ah ça, je sais même pas ce que c'est. La liste de sorts. Hein? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il faut avoir les trois, je pense. Le vol un peu plus compliqué. Allez, ça dégage. Je l'ai cramé, oh. Easy. Quoi? Ah. Non. Voyez tous ceux qui ont péri. Tout ça à cause de ce démon. Vous avez vu comme elle agit. Elle nous tuera tous. J'en suis sûr, conseillère Bellette. Je suis sûr que vous serez de mon avis. Oui. Saisissez-la. Non. C'est cette jeune femme qui nous protège. Elle nous sauvera. Il est aussi corrompu qu'elle. Saisissez-les avant que l'obscurité se répande. Nous n'en ferons rien. Robian Keane est un homme de grande sagesse qui n'a jamais trahi sa parole. Si nous avions su qu'il était vivant, c'est lui qui siégerait à ce conseil, pas vous. Et c'est cette jeune femme qui nous l'a ramenée. Bienvenue, mon vieil ami. Tantasila, en attaquant, nous démontre ceci. L'ennemi de notre ennemi
est notre ami. Et combien de temps encore allons-nous souffrir? Sa présence nous a déjà coûté trop de vie. La conseillère Bellette a raison. Tanta Silla donnera encore à sa colère libre cours. Super l'ambiance. Cette fille doit être livrée à Tanta Silla sans tarder. Pas la peine. J'irai la voir moi-même. Let's go.